Bonjour et bienvenue à l'atelier Sennelier. Je suis Yves-Marie Salançon, le directeur artistique. Aujourd'hui, on va parler de pastel, le pastel extra tendre, extra soft de Sennelier. Vous le connaissez, c'est 525 nuances. La qualité de ce pastel, on la découvre pleinement quand on l'utilise sur du pastel card. C'est un papier fantastique, c'est un papier qui est fabriqué à base de fibres végétales. C'est un papier légèrement grainé, mais qui n'est pas abrasif. C'est-à-dire que c'est très, très agréable d'appliquer le pastel sur ce type de papier. C'est un papier relativement unique. C'est un papier que les pastellistes adorent. Je suis heureux de vous présenter des nouvelles pochettes de pastel card, illustrées par Richard Stockling, un artiste anglais qui adore aussi ce support et qui fait des œuvres très lumineuses, très dynamiques. Ici, le jaune de Naples. Mais il y a également 6 feuilles des tons terre, 6 feuilles de noir anthracite et 6 feuilles de pastel card gris clair. Voilà 4 nouvelles pochettes que vous pouvez trouver en magasin. Alors bien sûr, on va les utiliser tout de suite. On va réaliser à la façon, avec le dynamisme de Richard Stockling, on va essayer de faire une petite œuvre comme ça pour s'amuser sur ce format, ces nouveaux formats 40x30 de pastel card avec les pastels extra soft de Sennelier. C'est parti. Voilà, eh bien, je n'ai pas encore la dextérité de Richard Stockling, mais quel plaisir de jouer avec cette lumière, la lumière des pigments des pastels extra fins Sennelier appliqués sur ce pastel card. Le velouté du papier crée vraiment un dynamisme et une lumière incroyable. C'est un vrai plaisir de peindre au pastel. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Et si tel est le cas, surtout n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci, à bientôt.